Ma première expérience, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était le fait qu'on passe les commandes dès mon arrivée. Sur le coup, ça m'a un peu surpris parce que j'avais aucune expérience, je m'y connaissais pas du tout. Mais au fond, je me suis rendu compte que c'est ce dont j'avais vraiment besoin. Qu'on me mette à l'avant et qu'on me dise « tu te débrouilles ». Ça m'a permis de prendre de la hauteur et de me rendre compte de quoi j'étais capable. Et c'est quelque chose qui m'a fait le plus grand bien. Je m'appelle Moïd Ali. J'ai 22 ans, je suis apprenti chef de projet au Crédit Agricole. J'ai fait une licence en informatique pour commencer, avec une option économie la première année et la deuxième année. Au cours de la troisième année, il fallait que je me spécialise. Du coup, j'avais intégré la formation en MIAGE et j'ai pu choisir le Crédit Agricole pour ma première année en apprentissage. Ça s'est plutôt bien déroulé. Du coup, j'ai enchaîné sur un master MIAGE et une fois de plus au Crédit Agricole. J'ai découvert le groupe au cours d'un forum entreprise qui a eu lieu lors de ma troisième année de licence. Donc j'ai pu avoir la chance d'échanger avec plusieurs entreprises, notamment avec le Crédit Agricole, où j'ai pu rencontrer un chef de projet au poste de MOA. C'était la personne qui m'a le mieux vendu le groupe, qui m'a donné le plus envie d'atteindre le poste de chef de projet. Tu peux me dire que je parle trop vite. Mohamed Ali, deuxième. J'ai voulu m'investir un peu plus en proposant mes idées sur ma façon de voir l'application, sur ma façon de faire évoluer l'application. J'ai pu élaborer 2-3 maquettes de mon côté que j'ai pu proposer à mon tuteur enseignant. Les idées lui ont plu et du coup j'ai pu mettre en œuvre les évolutions que j'avais proposées dans les mois qui ont suivi la mise en place de l'application. Prends ton temps. La rencontre qui m'a le plus marqué, je pense, c'était la rencontre avec mon tuteur entreprise lors de mon premier entretien au Crédit Agricole. Je suis arrivé quand même un peu stressé. En entretien. Le poste, il était réservé à un master et pas à une licence. Sauf que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très sympa, très agréable, qui m'a mis à l'aise tout de suite au cours de l'entretien. Mohamed Ali, troisième. Si je devais résumer mon expérience en un mot, je pense que ce serait tout simplement enrichissante. J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses au siège du Crédit Agricole, que ce soit du côté relationnel, au travers de mon poste d'apprenti chef de projet MOA, ou encore du côté plus scolaire, au travers de mes différentes expériences dans le domaine informatique. Je pense que la formation en apprentissage aujourd'hui, c'est une formation indispensable. Aujourd'hui, on arrive sur le marché du travail avec un bagage qu'on n'a pas forcément juste avec un certain nombre d'années universitaires. Si je devais recommander le groupe Crédit Agricole pour cette formation, c'est tout simplement parce qu'elle offre un certain nombre d'emplois ou de postes en apprentissage. Et du coup, on part avec un bagage qui est 2 fois plus grand que quelqu'un qui a suivi un cursus basique.